such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo, Scooby-Dee-Doo-Dee-Doo love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo love. Moi, je suis trop pudique pour le faire. Ah ouais, 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 ouais. Ah non, pareil, je pourrais pas. Mais jamais je respecte. Oh, ouais, je respecte. Oh, bah, bonne fête, hein. Bravo. Salut. J'ai vu que t'avais regardé en bas. Déjà avant. J'ai déjà regardé de loin. Alors avant de venir. Alors que je disais justement, je discute avec lui. Parce que j'aurais pu rester de très loin, mais je suis venue. Donc prenez-le comme un compliment. Comment ? Franchir le pas, toi. Oui, mais peut-être pas à la fête de l'Huma. Parce que il y a pas beaucoup de gens tout nus par rapport aux gens tout nus. Pas tout nus. Que la, le naturisme, c'est très cool. Ouais, c'est très cool, mais un mot pour exprimer la nudité comme ça, là, des gens. C'est la libération du corps personnel. C'est la libération du corps. Libération personnelle du corps. Et donc la libération de l'esprit. Voilà. Pour les autres. Ouais. Voilà. Ah bah moi j'ai rien contre eux, je les comprends parfaitement, c'est juste que j'assume pas totalement, mais je comprends parfaitement. En tout cas, merci à vous de, d'avoir le courage de faire ça. D'accord, merci. Oui. Ah ouais, quand même, c'est bien. Ah bah vous aussi. Ouais, c'est gentil, ah, pourtant, j'ai 60 balais. Allez, venez, c'est ça pareil, là. Comment ? Moi aussi, je veux vivre toute nue. Ah bon, tu veux vivre toute nue ? Oui. T'as pas de problème avec ça ? Non. Non ? Non, non. Non, mais de vivre nue, je pense que les habits, ça crée des disparités sociales qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que si on était tous nus, eh ben, on serait beaucoup plus égaux. Non, mais c'est vrai ? Il y a un peu de nouvelles remarques. Quoi ? Rapport à la famille. Si vous aviez un mot à mettre en face de nudité, vous mettriez quel mot ? Liberté. Liberté ? Ouais, c'est bien. Ouais, 90%. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, exactement. Voilà. J'aurais pas dit mieux. D'accord. Moi, je mettrais... Liberté. Liberté, ouais, c'est... Liberté. Liberté. Liberté, ouais. Liberté, on est libre. Il y a des gens qui se sont combattus pour ça. Bah. Piquios, c'est bien. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, nous sommes en liberté. Et basta, allez, bon courage à vous. Nu. Oui. Vive le cul nu. Bah, il faut y aller alors. Non, 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 moi je vais pas, moi je suis timide moi. Pourquoi ?
Pas gagné. Pareil. Chacun, chacun sa liberté. Exactement. Merci. Mais Il y a un peu son influence. Ben oui. J'aime trop. Chez nous, donc ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que les enfants ils pourraient être choqués de personnes? Bah, je pense que c'est des. Bah, ils sont choqués eux-mêmes avant tout, hein. Un gamin, la nudité, ça. Bah, je sais pas, on peut lui poser la question. Ouais. Ça te choque, hein, des gens tout nus ou pas? Non, non, elle est habituée à ça, donc. Non, ça vous choque pas? Non, non, pas du tout. Non, 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 elle le fait à la maison aussi, tu vois. Est-ce que t'as peur des gens qui sont venus, toi? Quoi? Est-ce que ça fait peur? Non! Non? C'est leur personnalité, ils font ce qu'ils veulent! Ils font ce qu'ils veulent? Oui! C'est un plaisir? Ah oui! Qu'est-ce que c'est le plaisir alors? Bah de voir qu'il y a d'autres personnes qui assument sa nudité comme ça aussi, au milieu de plein de groupes, hein, au milieu de tout ça. Tu l'assumes ou pas? Ah oui! Ouais? Tu peux ici avec nous? Bien sûr! Je vais te voir, Gégé. Ah waouh! Ouais, ouais. La liberté. Voilà. Merci. Merci. Il y a même des petits bonbons. Ah, des bonbons, c'est parfait. Ah, tu veux des bonbons? Impeccable. Alors, c'est cool. Donc je disais que ça fait plaisir justement de voir tout ça, te sentir vraiment fou, naturel, libéré. En plus il fait chaud, tu vois, mais complètement à nu, complètement. Tu crois, tu peux réussir à me faire des genre des petites fleurs, tu vois, enfin tu vois, comme un. Ah oui, mais je peux pas bouger. Tu vois, il peut y avoir ici avec des petites fleurs ou. C'est bon là? Je suis pas trop bien. Mais tu vois, on s'habitue. C'est pour faire des photos, non? Ah bah, tu fais ça. Ouais. Hein? Avant, j'étais grave. Ah, c'est beau. C'est bon. Ah ouais, non, c'est top, franchement, c'est top. Je suis grave, c'est pas mal. Je suis là, tout ça. Vous avez déjà été toute nue aussi, quelque part? Non, dans un sauna une fois. Dans un sauna, oui. Ouais, et là, c'est la première fois avec un aussi grand public. D'accord. Et ça te fait comme impression alors? Bah, ça fait du bien, parce qu'il n'y a plus de vêtements qui collent à la peau. D'accord. Et c'est quelque chose que tu conseilles à tes amis ou... Ah oui, à chaque fois, mais je le conseille déjà maintenant. D'accord. Moi, j'ai été au Montalivet normal et mes enfants, ils sont tous au CHM maintenant. Moi je suis Montalivet textile, mes enfants ils sont CHM. Ah, d'accord. Eh ben oui, mais il faut du mixte, hein, les enfants. Je sais pas s'il a ouvert le truc, mais vraiment. T'as ouvert? Moi je pense que ça coule. Plus de pression, mais. Pas plus de pression normalement. Ouais, le tuyau est peut-être long. On vit des scènes extraordinaires entre la famille malienne qui voulait faire des photos avec nous, les jeunes filles qui se libèrent en direct, des jeunes qui n'ont jamais été nus en public et qui se déshabillent. C'est incroyable, incroyable. On vous a reconnu direct et franchement bravo. On s'habitue. On
suffisamment militant pour accepter ça. Mais c'est une vedette de télé, il est passé à la télé, le nudien. C'est pas un nudi, c'est un nudien. C'est ça la différence. C'est un belge. C'est un belge. C'est le belge une fois. C'est un belge. C'est belge. Non, c'est pas moi, il est énorme le reportage. Il est énorme. Il va manger au restaurant. Et puis bah, d'un seul coup il se dessape. Et là les gens, bah, ça fait l'effet, voilà, ça les fait rigoler. Quoi. Ils disent mais vous êtes vraiment nus. C'est parfait hein. Merci, gentil. Non mais je reconnais ce monsieur, je l'ai vu plein de fois à la télé. Hein? Ah, et, oui. Alors, ça vous plaît? Et alors, bah, je trouvais que vous aviez raison. Ah, bah, c'est non mais il y avait de reportages, j'ai vu plein de fois à la télé. Ah ouais? Vous êtes belge, non? J'habite en Belgique. Oui, voilà. Non, je m'en souviens plus, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Ah ouais? C'est trop cool votre ton, j'adore. Mais ça va, ça va bien. Ça tombe bien. Tiens, il vient. Ça tombe bien. C'est un sacré boulot, hein, c'est vrai. Donc, on fait une photo. Si ça tombe bien, on fait une photo. C'est trop cool, les gars. Je trouve ça trop bien. Ouais. Live life like if I want, I do. If I want love, I get it. Fool me twice if I fall for you. Stay up, play ya. Yeah, you better keep up, play ya. Cause tonight is a game changer. So you better stay up, play ya. Drink with fire if I burn you too. If I hurt you, won't let it. Stack my deck like I ain't. Calling me a player, yeah. Ain't no competition, fuck the opposition. I'm the man in my city, just like the mayor, yeah. I met her in the hotel lobby, then we started loving in the elevator. You know I had to eat that tongue on her body, she laid her alligator. Rolling around in the bed, smacking her on the ass. She a stone cold killer, 45 in the bag. Mama told her never mess with a nigga like me. I took her to Fruit Town to meet my OG. I took her to the west side, like what's up? When we was on the east side, we fucked. Now we sitting courtside, feet up. Put me in the bed, you ain't gotta worry about it. Ain't gonna stay.